Le thème du jour est la prostitution. Certaines personnes peuvent la définir comme le plus vieux métier du monde. Oui. Mais moi, je dirais que la prostitution est l'acte par lequel un individu consent à avoir des rapports sexuels avec une autre personne dans le but lucratif et d'en faire son métier. Pourquoi? Pourquoi? Sachant que notre corps est notre dignité. Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps n'est pas à marchander. Ça me fait mal. Moi, Rose, ça me fait mal. Ça me fait super mal de voir nos jeunes sœurs, nos filles, en train de se marchander le corps comme de la marchandise sur le marché. En train d'accepter de coucher avec les hommes. Certaines même peuvent coucher avec trois, peut-être plus. J'en passe. Juste pourquoi? Pour des miettes. Ressaisissons-nous, les filles. Ressaisissons-nous. Notre corps est sacré. Pourquoi avoir choisi cette voie de la facilité? C'est vrai, chacun a sa vie. Oui, je suis d'accord. Chacun d'entre nous a son éducation. Oui, je suis d'accord. Mais sachez, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Ça fait mal. Certaines même vont plus loin à coucher avec des animaux. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu te dis, toi, jeune fille? Il y a plein d'activités à faire. Pourquoi? Pourquoi choisir la voie de la facilité? Pourquoi? Pourquoi? Je sais, il y a plusieurs facteurs, mais malgré, quelles que soient les raisons, quelles que soient les raisons, cela ne doit pas te pousser à faire ça. Nous, parents, nous aussi, nous sommes impliqués aussi dans cette histoire. Nous sommes coupables aussi. Nous sommes coupables. Parce que nous sommes mauvais. Nous sommes, c'est vrai, bien vrai que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes préoccupés. Nous sommes tous préoccupés, aller au boulot, faire d'autres choses que de rester à s'occuper de nos enfants. Parents, ressaisissons-nous. Oui, le matériel, mais l'avenir de nos enfants, l'éducation de nos enfants, d'abord. J'ai fait 9 mois. Je supporte 9 mois. Le seul jour de l'accouchement, ces heures à la maternité, sur le lit de l'hôpital, c'est Dieu qui nous sauve. Alors pourquoi mettre cet enfant au monde et ne pas s'assurer, assumer sa responsabilité sur l'éducation de ce dernier? Pourquoi laisser cet enfant livré à lui-même? Oui, l'une aussi des frères, l'une aussi des raisons est la quête de la vie facile par nos jeunes sœurs. Elle veut paraître. Sachez que tout ce que nous voyons, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non. Soyons fiers de la classe sociale de nos parents. Soyons fiers. Soyons fiers. Nous, les parents, nous sommes désengagés vis-à-vis des enfants. Vraiment, parents, faisons attention. Il y a la mauvaise fréquentation aussi de nos enfants. Nous avons des problèmes financiers des parents pour assurer le bien, le mieux vivre des enfants. Il y a certains enfants, c'est eux-mêmes, malgré qu'ils sont moins de 21 ans, qui ne travaillent pas. Les parents ne se demandent pas comment mon enfant faire pour assumer telle responsabilité en famille, assumer telle facture. Ce n'est pas notre problème. Parce que nous nous disons que comme ça ne va pas, je dois tendre la main à nos enfants, parents. Non, nous ne faisons pas ça. Arrêtons ça. Les parents qui le font, arrêtons. Restez branchés sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer venant de nous. Restez coachés. À la prochaine pour plus de détails sur cette histoire de la prostitution. Merci. Bye.